Voilà. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Chose promise, chose faite. Nous sommes là aujourd'hui pour, en réalité, sur une situation très dangereuse qu'on doit essayer de développer et vraiment mettre en alerte. Je dis bien mettre en alerte. Et les Guinéens du Sénégal, ça c'est un. Les Guinéens du Sénégal, ils doivent vraiment comprendre cette situation-là, vu la dangerosité de ce qui va en venir, si toutefois et aucune précaution ne sera prise. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce sujet, en primo, secondo. Nous allons essayer de parler, comment on appelle ça? Nous allons essayer de parler de cette arnaque qui se passe actuellement au niveau de la confiscation de nos passeports. Vous savez bien que les autorités guinéennes ont lancé un service, non seulement à l'étranger, mais aussi en Guinée actuellement, et qui sont en train de confectionner et qui sont en train de, c'est-à-dire de confectionner des passeports pour les citoyens, surtout de l'étranger. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui est vraiment grave. Nous allons essayer également d'en parler, d'en discuter. Et au troisième, toujours à ce niveau-là, il y a une autre situation très grave, je dis bien très grave, qui se passe à l'étranger. Nous constatons ça par exemple aux États-Unis ici. Certainement, ça peut être la même chose du côté de l'Europe. Par rapport à la délivrance des visas aux Guinéens vivant ici mais qui ont le passeport américain, par exemple, ils commencent à avoir des difficultés depuis la dernière sortie de Damantan, Albert Camara, par rapport à cette situation de blogueurs et tout ce qui s'ensuit. Certains l'avait certainement suivi. Et là, il faudrait que nous essayions d'en parler largement. Vous allez comprendre ce dont je vais vous dire ici. Parce que c'est une situation très très sérieuse qu'on va également essayer d'en débattre. Et maintenant là, cette vidéo est en train de passer sur la page d'Arufama officielle, également sur la page Charles Zoumanegui. Officiel et IFDZ Bronx. Voilà. Bien avant, nous allons passer à une petite virgule musicale. Nous allons revenir pour décortiquer les choses. Je vous prie de partager au maximum possible cette vidéo pour pouvoir atteindre vraiment nos compatriotes parce que ce qui se dessine est vraiment si grave. Et un troisième point, la sortie indigne des responsables guinéens sous des propos ethniques. J'ai été contacté par rapport à ça. Lui-même, il m'a plaidé. Je n'ai pas en parlé, mais il faudrait que je notifie ça aux Guinéens pour vous dire combien de fois on est barré, combien de fois on doit se battre pour arracher le pouvoir dans les mains de ces personnes qui sont actuellement aux affaires. Je vais développer ça au troisième point avant de terminer cette vidéo, parce que ce sont des propos très graves. Très graves. Je lui ai promis de ne pas dire son nom, mais je vais parler de cette situation. Et s'il insiste, je vais le déballer. Je vais le mettre à nu pour que tout le monde puisse comprendre qui il est. Parce que c'est quelqu'un qui se fait passer comme un homme sage. Quand vous le voyez, vous avez l'impression que voici un homme sage au sein de ce pouvoir qu'on est. Mais il m'a déçu. Complètement déçu. Je lui ai dit, la corruption ne marche pas avec moi. Je lui ai pris la garantie de ne pas dire son nom et je ne vais pas le dire. Mais je vais dire ce qu'il a dit. Et c'est ici. Tout de suite. Bien avant, une petite virgule musicale. Nous allons continuer. Nous allons essayer d'écouter ce son qui est lié aussi à la situation guinéenne. Parce que c'est un peu politique. Il faudrait que nous en parlions tout. Et écoutez, je pense que vous allez bien aimer parce que ce sont les réalités de notre pays. Si je me fais entendre, pardon, je voudrais juste un petit message
pour me dire que le son est bon, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, quelqu'un n'a qu'à juste écrire, s'il vous plaît, pour me faire un petit signe. S'il vous plaît, je vais d'abord me rassurer que tout se passe bien avant de continuer. Est-ce que le son, vous m'entendez? Juste un message, oui, ça me suffit, ok? Voilà, vous qui écrivez, qui envoyez des cœurs et autres là, s'il vous plaît. Ok, le son est bon. Merci, Laga, merci. Ok, nous allons écouter ça et on revient juste après. Merci, Bailo. Ok, merci, Belgique, merci. Quelle fois la Fofana? Le carton rouge là, c'est pour Alpha, hein? Merci Diallo Kabbalah. Ça c'est chez moi, hein? L'encasaille. Mister Barry, mon Barry, tu dis pas de son? Ah, comme tiens Barry. Merci, merci. Je vois que le son est bon. Merci. Merci à tout le monde. One love. Ok, Zala, il n'y a pas de souci. Restez scotché. Après cette virgule musicale, nous allons déballer. Aïla, mon kenda, la moalfa. Alors, il faut bien danser. Merci, Sebriaya. Wajarama, Mamadou Li. Amadou. Biloba, big up à tout le monde. Good music, yeah, vraiment. Alors, écoutez ici, hein. Écoutez bien ici. Nomination fantaisie, accusation arbitraire, arrestation arbitraire, baston un peu sous les rues, hygiène pour pourtant, Zacharia danse bien. Qui n'ont aucune formation, sauf dire à vos ordres, brutaliser les innocents, brutaliser les innocents. Oui, Kindi Baldé, tu as parfaitement raison. On ne peut pas parler de liberté de paix lorsque les opposants politiques sont emprisonnés, lorsque des journalistes sont arrêtés, lorsque d'autres sont en exil. Non, des pays comme ça ne peut pas avancer. On va terminer avec cette virgule musicale. Effectivement, les forces de l'ordre sont corrompues, notre justice est dépendante, une justice qui fait la honte de toute une république. Allons-y, Kindi. Je vais commencer à commencer.
l'avenir de la Guinée, l'avenir de la jeunesse. Les fiers de la maison passée, on vit et aussi de nos dirigeants, on vit tous ceux qui sont engagés. Là aussi, tu as raison. On se demande comment parler de l'avenir de ce pays lorsque les sujets des examens sont vendus aux vieux et aux sus de nos dirigeants. C'est vraiment catastrophique et bientôt aussi les examens nationaux. Nous allons encore en parler tout de suite. Merci Kindi Baldé, pour tous ceux qui veulent avoir ce morceau, allez-y juste sur YouTube, vous allez voir Kindi Baldé, vous tapez Kindi Baldé la Guinée, vous allez voir ce bon son qui est sorti depuis 2015, hein, pour vous le dire, ça fait un peu longtemps, mais toujours de l'actualité. C'est ça aussi des artistes, ils restent toujours dans le présent, c'est tous ceux qui sont bien inspirés et qui sentent des questions d'intérêt national. Bien, et là maintenant... Excusez-moi. Nous allons maintenant commencer l'ordre du jour. Et je vous le disais, le premier sujet, nous allons essayer d'en parler parce que la convention qui a été signée entre la Guinée et le Sénégal, il y a un grand piège tendu. Rappelez-vous, c'était le 19 juin 2021 qu'il y a eu la signature de cet accord entre le ministre de la Défense de la Guinée et celui du Sénégal. Et après avoir tordu, passé par tous les moyens, poussé Macky Sall à accepter cet accord. Je vous dis bien, et je vais encore vous le déballer tout de suite, et mettre aussi en alerte les Guinéens du Sénégal. Écoutez bien, si vous avez des gens, des compatriotes, et nos compatriotes, si vous avez des parents, qui sont au Sénégal, donnez-les cette information parce qu'elle est capitale. Elle est vraiment capitale. Avant de parler de tout ça, comme je vous le disais, ils ont essayé de signer cet accord. Et voilà la situation. Alpha a forcé la situation. Vous savez bien que c'est Alpha d'abord qui a fermé les frontières entre la Guinée et la Guinée-Bissau, aussi la Guinée et la Sierra Leone, mais la Guinée et le Sénégal. Voilà, ils ont poussé les autorités lyonnaises à signer un accord bidon. Pourquoi signer un accord ou pourquoi dire allons-y réouvrir nos frontières? Qui a fermé la frontière? C'est Alpha qui a fermé. C'est la Guinée qui a fermé. Ce n'est ni le Sénégal, ni la Guinée-Bissau, ni la Sierra Leone. C'est pourquoi je tire un sapo à Oumar Ambalo de la Guinée-Bissau. Parce qu'il faut se faire respecter, au fait. Il faut se faire respecter. Alpha dit que le Sénégal est une base arrière pour déstabiliser la Guinée. Il nous prouve ici qu'alors, lui, il était dans cette logique à l'époque. Parce que lui, à chaque fois qu'il quittait la France, son deuxième pays, c'était le Sénégal. C'est là où il venait se séjourner, c'est là où il venait tout faire. Même lorsqu'on avait voulu l'arrêter en Guinée, c'est à l'ambassade du Sénégal qu'il est allé se refuser. Et aujourd'hui, il dit que le Sénégal est une base arrière. Pour des raisons que nous connaissons tous, vous avez déjà développé ça. Parce que Alpha qui nous dirige est dans une logique de haine profonde contre une certaine catégorie de Guinéens. C'est connu de tous, ce n'est même pas caché. Mais faire le semblant de travailler avec les fils de certains, quelques fils de ces Guinéens-là, pour faire croire que c'est l'homme qui est au juste milieu, alors que ce n'est pas ça la réalité. Alors, ils ont signé cet accord-là, le 19 juin 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette situation, Macky Sall avait dit niet, il n'allait pas signer. Il avait dit niet il y a de cela. Et longtemps, il a dit qu'il n'est pas dans cette affaire d'accord. Parce que lui n'a pas fermé une frontière. Alpha qui a fermé, il n'a qu'à réouvrir.
Ça a été la même chose du côté de la Guinée-Bissau. Ambalo aussi qui a dit la même chose. Et pourtant, c'est vrai. Hein? Nous avons une porte commune, mais séparée. Moi, de mon côté, je ferme. Et de l'autre côté, là-bas, on ne ferme pas. Après, je me dis, alors négocions pour qu'on puisse fermer nos frontières. Négocier quoi? Négocier quoi encore? Et qui est derrière tous ces yeux-là? C'est Nana Akufo-Addo, le président du Ghana. C'est lui qui est en train de passer chez ses chefs d'État pour essayer de les convaincre afin d'accepter la doléance d'Alpha Condé. Alpha qui disait que ça ne lui fait rien, il n'a pas chaud. C'est vrai, il faut savoir qu'entre la Guinée et le Sénégal, c'est vrai, il y a des pertes de part et d'autre. Mais c'est les Guinéens qui perdent de plus. Parce que c'est nous qui cherchons plus chez les autres. Même ceux qui font des activités commerciales, c'est des Guinéens qui prennent des objets, qui prennent de la marchandise en Guinée pour envoyer en Sierra Leone. Et c'est eux aussi qui prennent en Sierra Leone pour envoyer en Guinée. Rare de voir les Sénégalais qui font le commerce vers la Guinée. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est presque les Guinéens. Alors cette fermeture-là, la fermeture-là a fait plus mal à la Guinée qu'au Sénégal. C'est ça aussi la vérité. Il faut essayer, il faudrait que nous acceptons, nous admettons cela. Alors ils ont tordu la main de l'autre là. Parce que vous devez aussi savoir pourquoi Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, s'est mêlé dans cette affaire profondément. Et il est en train d'aider Alpha Condé autrement pour finir ce problème. Parce que Alpha, il est coincé. Il est coincé, il est au mur. Ce que beaucoup aussi de Guinéens ne savent pas. Mais il passe par le président du Ghana, comme celui actuellement le président en exercice de la CDAO. Alors, il faut essayer de lui convaincre pour l'amener à voir les autres pour pouvoir négocier cette situation. Mais qu'est-ce qui va en venir par rapport à cette situation-là? Parce que tout ce que Alpha Condé fait, il y a quelqu'un qui est politique. En fait, il veut atteindre quelques Guinéens qui vivent au Sénégal. C'est ça son objectif. Parce qu'il dit que c'est l'arrière-base. Lui-même, il sait ce qu'il est en train de dire. Parce qu'à travers le monde, après la Guinée qu'on a créée, vous ne trouvez nulle part un grand nombre de Guinéens plus que le Sénégal. Le nombre de Guinéens qui se trouvent au Sénégal, vous ne trouverez pas ces grands nombres-là, ni en Sierra Leone, ni en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel autre pays de la Guinée, vous ne pouvez pas trouver ces nombres-là. Voilà. Et aussi, les Guinéens qui sont au Sénégal, ils sont bien implantés économiquement, ils sont nombreux, et ils sont très bien organisés. Mais je leur demanderai de s'organiser de plus pour pouvoir faire tomber cette situation-là. Parce que cet accord, d'abord, il faut préciser, Nana Akufo, comme je vous le disais, le Ghana a beaucoup d'intérêt en Guinée, affaire d'or, parce qu'il y a beaucoup l'or de la Guinée transite le plus souvent vers le Ghana. Et également, ils ont des Ghanéens qui travaillent sur le territoire guinéen, hein, en train d'exploiter l'or de notre pays. Donc le Ghana voit son intérêt. Alors si Alpha Condé dit au président du Ghana, il faut se mêler, il va le faire parce que vous avez vu tout récemment, il s'est déplacé aussi pour aller voir Ambalo. Mais lui, il reste jusqu'à maintenant là, ferme sur sa décision. Il dit n'a pas fermé de frontières, il n'a rien à négocier. Alpha qui a fermé, il n'a qu'à réouvrir. Si il ouvre tout de suite la frontière guinéenne, il va voir si du côté de la Guinée-Bissau, ça va rester fermé. Parce qu'ils n'ont jamais fermé une frontière. Il suffit de quitter le Sénégal pour la Guinée. Là où se trouvent les militaires, les gendarmes, policiers, douaniers sénégalais, vous traversez tout ça tranquillement. Parce que ce n'est pas fermé. Mais c'est une fois que vous venez du côté de la Guinée, c'est là où on vous empêche. On dit que vous ne rentrez pas. Et les gens, les Guinéens sont en train de prendre les routes dans la brousse, risquer, prendre les taxis-motos pour transiter, pour traverser la frontière. Mais c'est grave. Quelqu'un qui se dit qu'il est venu pour développer son pays, il augmente la souffrance de ses concitoyens, plus de 8 mois. Maintenant, il est coincé.
il est coincé, il est au mur. Vous savez, c'est comme ça aussi il fait avec les détenus politiques. Il est coincé, il veut libérer les gens, mais comment les libérer? Parce qu'il a dit clairement que ces gens-là sont des fautifs. Et pourtant, tout ce qu'ils ont dit sur ces gens-là, c'est faux. Donc, on oblige à ceux qui veulent le faire de signer un accord pour dire que bon, je reconnais ma faute, je vous demande pardon, monsieur le président. Quel pardon? Quel pardon? Donc, c'est dans cette logique qu'il est actuellement encore par rapport à ces frontières-là. En fait, il est au mur, il est coincé, maintenant il cherche à se rattraper. Mais qu'est-ce qui va en venir par rapport à tout ça? Au fait, l'air accord-là, comme on le disait, c'est un document de 11 pages qui comporte 25 articles. Et c'est l'article 4, d'ailleurs, qui a attiré mon attention et qui a attiré l'attention de beaucoup d'organismes des droits de l'homme du côté du Sénégal. C'est pourquoi j'alerte les Guinéens sur ce point-là. Je vais juste vous laisser écouter, parce que j'ai tiré ça aujourd'hui, cette partie de Akumba, dans l'émission Mirador de Film FM. Vous allez juste écouter cette partie et je vais maintenant revenir pour vous déballer cette situation-là et dire aux Guinéens du Sénégal, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour ne pas que cet accord-là puisse passer. Parce qu'il faut d'abord notifier que l'Assemblée nationale du RPG en Guinée a déjà validé cet accord-là. Au fait, ils ont signé du côté de la Guinée et du côté du Sénégal pour mettre en place une force mixte. Au fait, ces gens-là, ils vont travailler en connivence et ils peuvent essayer de travailler du côté de la Guinée tout comme du côté du Sénégal. Ils vont aussi veiller sur les problèmes entre ces deux pays. Mais qu'est-ce qui se casse derrière tout ça? C'est comment est-ce que Alpha peut être en mesure d'arrêter les gens du côté du Sénégal, les activistes ou les hommes politiques ou toutes les personnes qui sont dans des dénonciations mais basées au Sénégal? C'est ça l'objectif d'Alpha. Parce qu'il faut savoir que c'était la même stratégie que fait Ahmed Sékou Touré avait utilisé. Mais à l'époque, Wade, Senghor avait refusé d'accepter cela. Parce que Sékou Touré avait tout fait pour négocier auprès de Senghor pour que Senghor puisse le livrer les hommes politiques qui vivaient du côté du Sénégal. En parlant d'accord, en parlant d'avantage, Senghor a dit « Je ne livre personne. » Tu as chassé les intellectuels de ton pays, tu as chassé des hommes riches de ton pays, ils sont venus dans mon pays, moi je les accueille et je les donne la nationalité sénégalaise. C'est pourquoi vous trouvez beaucoup de Guinéens au Sénégal. Allez-y seulement pour voir vers les Tambacounda ou vers les Manda, c'est-à-dire les villes frontalières de Gawal, Koundara, Labé et autres là, jusqu'à Mali et Mbéré. Pour comprendre combien de fois les Guinéens ont une force dans ce pays aujourd'hui appelé le Sénégal et qui représente une grande chose pour l'économie sénégalaise. Oui, vous savez, je l'ai dit, je répète encore. En 2010, on avait bel et bien demandé à Wade, entre Alpha Condé et Sélou Dalène, tu choisis quand, tu es de quel côté. Wade ne s'est pas gêné de dire qu'il soutient Alpha. Il veut qu'Alpha passe. On demande, mais pourquoi Alpha et non pas Sélou? Il a été clair, il dit, avec Alpha, les Guinéens du Sénégal, selon notre constat, n'iront pas en Guinée. Mais avec Sélou, beaucoup vont rentrer. Et c'est des gens qui contribuent au développement du Sénégal. Ils payent des taxes, ils payent des impôts, ils ont des investissements ici. Donc, celui qui va les attirer vers leur pays, je ne veux pas être avec ces derniers. Pas que je le déteste, mais c'est une guerre d'intérêt et d'intérêt personnel. Et vous savez, les pays n'ont pas d'amitié, ils n'ont que des intérêts, le plus souvent. Voilà. Donc, écoutons juste ce passage-là pour comprendre un peu cette situation-là. Et je reviendrai pour lancer maintenant l'alerte
ruse qu'ils ont lancée aux Guinéens du Sénégal. S'ils comprennent, alhamdoulilah. S'ils ne comprennent pas, ils n'ont qu'à rester comme ça. En tout cas, beaucoup se verront être arrêtés de ce pays-là et déportés vers la Guinée, comme au temps de la colonisation. On écoute. Du calvaire vécu par les Guinéens et les Sénégalais à leurs frontières communes. C'est possible. En tout cas, le 19 juin dernier, on se rappelle que les ministres de défense du Sénégal et de la Guinée ont signé un accord de coopération d'assistance technique. Cet accord a été validé par le Parlement guinéen, comme on le sait, je crois, le 4 juillet dernier. Et cet accord est un document de 11 pages comportant 25 articles et qui instruit surtout aux deux États de procéder à la sécurisation commune de leurs frontières, mais également à l'échange d'informations, donc des renseignements, et que chaque État a l'obligation de protéger les renseignements reçus de l'autre État. Et mieux, l'article 4 de cet accord dit ceci, que chaque partie... Écoutez bien, l'article 4 là, je pense bien que vous entendez, l'article 4 de cet accord. Il s'engage à mettre en œuvre pour empêcher que son territoire ne soit utilisé pour des actes subversifs de déstabilisation ou de sabotage contre l'autre partie. On le sait qu'il y a des acteurs du FNDC qui, en tout cas, séjournaient au Sénégal. Je ne sais pas s'ils y sont encore, mais ensuite l'article 8 du même accord dit ceci, que les parties s'engagent à sécuriser conjointement leurs frontières communes en procédant notamment au renforcement des postes de contrôle, aux patrouilles conjointes ou simultanées aériennes, terrestres, maritimes et fluviales, et ou à tout moins utile. Donc c'est un accord en réalité qui autorise déjà l'échange de compétences entre les services militaires guinéens et les services de gendarmerie guinéenne avec les services sénégalais. Maintenant, cet accord semble avoir été d'abord rédigé par des chefs d'État africains. En tout cas, à la lecture de l'exposé des motifs qui a été introduit auprès des députés pour son adoption, on sent pertinemment que ce projet d'accord a été, je ne dirais pas imposé, mais soumis aux deux chefs d'État pour qu'ils le signent. Et l'exposé des motifs qui devrait venir du ministère de tutelle, j'imagine le ministère de la Défense, dit clairement que c'est sur la facilitation des chefs d'État africains que cet accord a été signé en marge des activités de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ok, j'espère que vous avez bien écouté ça. Et là, Alpha a joué son jeu au sein de la CEDEAO. Quand je vois des gens dire que Alpha est un grand homme, il sait convaincre les gens, c'est vraiment triste. L'être humain qui manipule, qui cherche à manipuler tout le monde, celui que vous appelez un grand homme, c'est celui qui développe, c'est celui qui initie le peuple, c'est celui qui construit son pays, c'est celui qui crée l'amour entre les citoyens, c'est celui-là qu'on appelle un grand homme, quelqu'un qui cherche à mélanger les gens, hein, à corrompre, à acheter la conscience des autres, n'est qu'un manipulateur et c'est un homme même détesté par le Tout-Puissant Allah, tout être humain qui est de la sorte. On va encore me dire que pourquoi alors une telle personne peut être président. Il faut aussi savoir que le pharaon a été irresponsable en Égypte. Il a dirigé l'Égypte. Mais est-ce que ça veut dire que c'était un bon homme? Non. Ça veut dire que le pouvoir, l'argent, toute personne peut en profiter. Mais est-ce que c'est la bonne personne? C'est la manière de gérer ou d'utiliser cet argent qu'on peut comprendre. Qui est cette personne? Et aujourd'hui, Alpha est là. Nous voyons ce qui se passe. Donc vous avez compris. L'air accord là, c'est très grave. Il y a des points, des articles qui ne sont pas du tout bons pour les Guinéens du Sénégal. Parce que ça veut dire que, déjà du côté de la Guinée, l'Assemblée du RPG a accordé, c'est-à-dire, a ratifié cet accord-là. Parce que, après avoir signé, ils ont dit alors, pour que cela soit mis en œuvre,
il faudrait que les Guinéens, comment on appelle ça, les députés de chaque parti puissent ratifier, c'est-à-dire valider cet accord. Si toutefois que c'est validé, ça veut dire que ça rentre en vigueur. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Guinée, ils se sont précipités le 4 juin passé, le 4 juillet là d'ailleurs, ce mois de juillet 2021, ils ont ratifié, ils ont validé ça à l'Assemblée nationale, à Conakry. Maintenant, c'est du côté du Sénégal, jusque là, ça traîne encore. Parce que même si les deux ministres ont signé, mais en tant que ce n'est pas encore validé par l'Assemblée nationale sénégalaise, ce document ne peut pas rentrer en vigueur. Ça veut dire que ça peut échouer. Et c'est là maintenant qu'ils interpellent tous les responsables de l'IFDZ du côté du Sénégal, tous les activistes de la société civile sénégalaise et guinéenne qui y vivent, et toute la population guinéenne, c'est-à-dire les Guinéens, les citoyens guinéens résidant au Sénégal, c'est le bon moment de vous organiser, d'attirer l'attention des députés sénégalais afin de ne pas ratifier cet accord qui n'est qu'un piège. Si Alpha veut, il n'a qu'à ouvrir les frontières. S'il veut, il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à laisser. Lorsque la souffrance va atteindre le plus haut sommet en Guinée, le plus haut niveau, vous allez voir ce qui va se passer, parce que les gens vont se retourner contre lui, bien que nous avons affaire avec un peuple soumis, un peuple, j'ai l'impression que ce peuple de Guinée là est envoûté, chacun est assis dans son coin, on dit Allah, Allah, non non Allah, Allah lui n'est pas pressé, il prend tout, il garde, il n'est pas pressé, ils aident des milliards de personnes, d'êtres humains sur cette terre. Alors, il faudrait que vous vous organisez, les Guinéens du Sénégal. Essayez de voir les organisations que vous avez pour que vous puissiez rentrer en contact avec les Alioutines, en tout cas les organisations de la société civile sénégalaise, avec ces députés qui auront la chance d'avoir ce document-là sous leur main, soit de valider ou de refuser de valider. Si c'est validé, alors si tu es au Sénégal, tout ce que tu fais, dis-toi dans ta tête que c'est comme si tu étais en Guinée. C'est-à-dire, venir t'arrêter sera comme de l'eau à boire pour eux. Parce que déjà la convention est là. Je me demande, qu'est-ce qui a poussé réellement Macky Sall à signer ça? Parce que avant, il n'était pas pour. Mais la pression est quittée partout. Partout. Les chefs d'État, vous savez, il y a un lobby au sein de la CEDEAO. C'est triste, hein? C'est triste. L'Afrique, c'est un continent qui aura encore du mal à se réveiller, à se lever, à se tenir debout. Pourquoi je le dis? Parce que nous voyons même la nouvelle génération est dans cet esprit de division, de clanisme. Ça veut dire que même après ceci, c'est difficile de changer la donne. Alors, il faudrait que vous le fassiez. Essayez de comprendre quel jour ces députés-là vont ratifier ça au niveau de l'Assemblée nationale sénégalaise. Lorsque vous saurez ces jours-là, le jour où il sera au niveau de l'Assemblée nationale sénégalaise, vous vous constituez en groupe avec quelques organisations des droits de l'homme sénégalaises, vous partez avec des pancartes. Il n'y a même pas de pagaille, ne pagaillez pas. C'est un pays respecté, vous le savez bien. Donc, vous partez pour dénoncer, pour dire que vous n'êtes pas d'accord et que vous demandez aux députés du Sénégal de ne pas vraiment ratifier cet accord-là entre la Guinée et le Sénégal. Au fait, ne voyez pas seulement l'ouverture de la frontière entre la Guinée et le Sénégal, mais voyez le piège tendu dans cet accord-là. Parce que quand on parle ici d'une force mixte, c'est-à-dire les militaires et l'armée guinéenne va travailler en connivence avec l'armée sénégalaise pour faire des patrouilles, pour contrôler nos frontières,
pour contrôler, comment on appelle ça, l'air et tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, contrôler tout et aussi au-delà, aller maintenant en cas, parce qu'ils disent que cet article 4, ce article 4, vous avez bien suivi, excusez-moi, hein. Ok, vous avez bien suivi. Au fait, là, leur problème, c'est quoi? Qu'ils ne veulent plus que quelqu'un, l'accord qu'ils ont eu à signer au niveau de cet article 4-là, qu'il ne faudrait plus que l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'il ne faudrait plus que des Guinéens se lèvent pour aller s'asseoir, par exemple, au Sénégal, pour s'attaquer au gouvernement guinéen, ou pour insulter, ou pour tenir des propos, des dénonciations et tout ce qui s'ensuit, comme ce que nous constatons actuellement là. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes blogueurs guinéens qui sont au Sénégal. Il y a beaucoup d'activistes guinéens, parce que les personnes d'ailleurs les plus visées, c'est Ibrahima Diallo et Sékou Kounouno. Ils sont visés, parce que dès qu'ils ont parlé de ça, au sein de la mouvance actuellement, ils sont en train de dire qu'il faut tout faire pour extrader, pour arrêter Sékou Kounouno et Ibrahima Diallo. C'est ça actuellement leur souhait. Et aussi Gianni Alpha. Vous imaginez combien de fois ces gens-là sont des satans? Vous imaginez? Parce que quelqu'un qui veut le bonheur de son pays ne pas se lancer dans ça, t'as fermé les frontières. La frontière est fermée, hein? Il faut monter de Ibra. Mais il te monte, il te donne toi. Comment va le boulot forcé? Hein? Comment le boulot forcé? Non, non, il y a une frontière là-bas. Un accord signé. Ils m'ont forcé là, mon nom. Pourquoi vous forcez les gens à Alpha Condé? Pourquoi? Ambalo a dit tout récemment que lui, il n'est pas dans ça. C'est Alpha qui a fermé. Il n'a qu'à réouvrir. Lui, il n'a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de guerre entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Regardez encore des secondes. Combien de Guinéens se trouvent en Guinée-Bissau? C'est énorme. Un grand nombre. Actuellement, là où je vous parle, il y a beaucoup d'activistes, parce que vous savez, c'est la Sierra Leone qui a été le premier pays à signer cet accord-là. Actuellement, en Sierra Leone, les activistes guinéens ou des hommes politiques, même de l'IFDZ, beaucoup ont fermé leur bouche de ce côté. Beaucoup ont changé de pays, je vous le dis, de ce côté. C'est le système de Sékou qui Alpha envoie. Mais il ne faudrait pas qu'il arrive à réussir cela du côté du Sénégal. Parce que c'est là où nous avons une forte concentration de la communauté guinéenne. C'est là-bas. Donc, on ne doit pas du tout... On ne doit pas du tout accepter que cela puisse passer de la sorte. Donc, l'alerte est lancée. Essayez de rencontrer des bonnes personnes dans l'ombre au Sénégal. Essayez de rencontrer les députés sénégalais. Essayez de rencontrer les responsables des droits de l'homme au Sénégal. Essayez de rencontrer des ministres sénégalais pour pouvoir gagner ce lobby-là au sein de l'Assemblée nationale sénégalaise. C'est l'avantage que les Guinéens pourront avoir parce qu'il y a beaucoup, ils sont tellement déçus de ce régime Condé. Il a instauré la condécratie, la famicratie, hein? Il a instauré la tuéricratie, hein? La déguerpicratie, parce qu'il faut le dire comme ça, il faut inventer des mots tellement que ce monsieur l'a fait du mal aux Guinéens. Il y a des Guinéens aujourd'hui, ils n'ont plus de bâtiments, ils n'ont plus de maisons en Guinée. J'ai vu une vieille, tout récemment, pleurer ses deux mains sur la tête. Une vieille, de plus de 70 ans. Là où elle a vécu avec son mari depuis 1962. 1962. On vient, on met ça dans l'eau. Sans même penser à l'avenir de cette vieille-là. Elle pouvait piquer crise pour tomber, mourir là-bas. Est-ce que les gens-là, c'est des humains qui nous dirigent? Parce que quand on est humain là, quand on a le cœur d'un être humain, on doit avoir la pitié au fond. Pas parce qu'on est cravaté, on a tous les moyens. On a l'armée, la police, la gendarmerie qui sont derrière nous. Il faut savoir une chose, la vie a trois temps. À trois temps, il y a hier, il y a aujourd'hui, il y a demain. Comme dit les malinqués, « Kounoun traye, bi, sinifanayi, mais sinita ou yalaboulo. »
hier, ceux qui sont en train de faire du mal aujourd'hui à la Guinée, hier, ils étaient dans l'opposition. Ils n'osaient même pas hausser le ton. Mais aujourd'hui, ces gens sont au pouvoir, ils ont montré leurs limites, qui comprennent que demain, ils vont se retrouver aussi, soit dans l'opposition ou en prison. Parce qu'ils ont causé assez de dégâts au peuple de Guinée. La chance pour eux, s'ils se retrouvent dans l'opposition, ce serait du bonheur pour eux. Parce qu'ils doivent savoir que ça va les rattraper, tout le mal qu'ils sont en train de faire, ça va les rattraper. Ça va les rattraper un jour. Nous aurons des institutions fortes en Guinée. Un président qui sera au service du peuple et non pas au service d'un clan satanique. Qui va s'occuper des problématiques de notre pays. Ça va arriver. Ce moment-là va arriver. Et c'est en ce moment, tous ceux qui ont causé du tort, qui se tapent aujourd'hui la poitrine pour dire qu'il y a nous les gens. Et bien alors, où l'on est ? Quand on a le pouvoir, il faut savoir l'exercer. On n'exerce pas le pouvoir par la force. On n'exerce pas le pouvoir par la haine. Quand vous le faites, vous préparez votre propre échec. Parce que vous multipliez vos ennemis. Et un jour, vous allez chuter. Et au-delà, vous deviendrez la ruse du monde. Ce n'est même pas de votre pays seulement, mais du monde. Et ce qui va arriver à ces gens-là, allons-y seulement. Parce que je vous avais dit ici, ils sont en train de se préparer aussi. Autrement pour se maintenir au pouvoir. C'est le bon moment pour nous autres Guinéens. Nous qui voulons le bonheur de ce pays-là. De s'organiser aussi autrement pour arracher le pouvoir dans ces mains de ces gens-là. Notre victoire d'abord a été usurpée. C'est pourquoi ils ont du mal à aller avec le camion. Je vais parler de ce pouvoir qu'on est. Par la complicité de l'armée qui refuse d'être républicaine, par des institutions corrompues, malhonnêtes, et aujourd'hui Alpha est à la tête du pays, mais rien ne va. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. C'est que, en tant qu'ils resteront là, au même moment, la souffrance va continuer en Guinée. Ces manipulations-là vont continuer en Guinée. Donc, je pense que c'est le bon moment pour nous de revoir toute cette situation-là. Le 6e du Sénégal, ça n'est terminé. C'est le bon moment pour vous de vous organiser et voir les différentes organisations de ce pays et le faire maintenant là pour ne pas que cela soit trop tard. Sinon, beaucoup se verront être arrêtés parce qu'il suffit juste que Alpha Condé ait besoin de quelqu'un qui vit au Sénégal. L'accord est déjà là. Ils vont utiliser l'armée guinéenne et l'armée sénégalaise pour dire il y a telle personne qui est devenue une menace. Pour moi ou pour mon pays. Alors je veux que vous l'extradez dans mon pays. Ils peuvent aller l'arrêter. Facilement. Où qu'il se trouve dans le Sénégal. Ils peuvent aller l'arrêter. Et l'envoyer. Vous avez vu l'argument qu'il a utilisé au Ghana. Je vais vous faire cette révélation. Vous avez tous vu tout récemment. Une photo. De notre frère et ami. Guido Fulbert. Qu'il avait posté. Un jeune que je respecte, mais dont je n'avais pas apprécié cette image sur les réseaux sociaux. Mais c'est cette image qu'Alpha Condé a utilisée au Ghana pour montrer aux autres, pour dire, bon, vous voyez, ce sont des jeunes de cellules, ce sont des jeunes, c'est l'opposition. Ce jeune-là, on m'a dit qu'il est au Sénégal. Alors, ce sont eux qui veulent nous déstabiliser. C'est pourquoi je vous dis, il y a quelque chose qui se planifie à partir du Sénégal. Hasardement, c'est comme ça aussi qu'il a fait au niveau de l'Union. De l'Union européenne, quelques images comme la photo des grenades. Et vous savez bien, c'est eux-mêmes qui avaient donné l'arme, le fusil à grenade. Malheur pour eux, il y avait le logo de la gendarmerie derrière qui est sorti. Il a utilisé même ces images-là pour déposer au niveau de l'Union européenne pour vous dire qu'ils sont en train de jouer à des lobbies à l'interne. Ils tuent des gens, ils arrêtent arbitrairement les citoyens, mais au même moment, ils utilisent l'argent du pays pour acheter les autres chefs d'État, pour acheter les autres institutions du monde, afin de les soutenir dans le vide. C'est pourquoi on doit se lever contre ces gens-là encore une fois. Ce machiavélisme-là ne doit pas passer. Ça ne doit pas étonner. Je prends la Guinée là où c'est qu'on l'a pris. Mais c'est triste. C'est triste. On a eu trois présidents en Guinée.
Parce que Dadis et Konaté, je ne les compte pas, des gens qui n'ont même pas fait 3 ans au pouvoir, on les met de côté. Même si le mal aussi, de ce côté, Konaté a joué un rôle négatif dans cette situation-là. Mais en vérité, Sékou Touré a fait plus de mal aux Guinéens. Konaté est venu, il a cherché à ressouder les morceaux. Il y a eu un problème de coup d'Yara, que vous savez tous, qui a échoué. Il y a eu beaucoup d'arrestations des officiers militaires malinqués, il faut le dire comme ça. Et il y a eu cette haine-là, ce problème-là, entre Konaté et la Haute-Guinée. Vous avez vu, durant toutes les 26 années de Konaté, il n'a jamais eu d'amour entre la Haute-Guinée et l'ancien Konaté. Parce qu'on le voyait toujours négativement. Mais oubliant que Diarra, lui, avait formé un coup d'État. On n'a pas vu ça. Parce que si le coup là réussissait, c'est lui qui allait continuer après Sékou Touré. Diarra Traoré, je vais dire. Vous imaginez ça? Donc, ça, il ne voyait pas ça. Mais avec tout ça, Konaté est venu, il n'a pas fait de différence entre les Guinéens. Il nommait n'importe qui, dans n'importe quel poste. Oui, il ne disait pas que les postes stratégiques, il faudrait les sous-sous. Konaté l'a jamais fait. Mais regardez Alpha comment il le fait. Je le dis, j'insiste. Je n'ai rien contre l'ethnie malinké. Mais je vais dire à mes frères, malinké, les bons. Parce qu'il y a des gens qui sont gênés, qui se gênent même de savoir que Alpha est issu de leur ethnie, entre guillemets, parce que c'est un Burkinabé d'origine, on le sait. Parce qu'il fait, ça n'honore pas. Ça ne les honore pas. Maintenant, ceux qui sont en train de manger avec lui pensent que Alpha est en train de les aider. C'est lorsque Alpha ne sera plus là, c'est là où ils vont comprendre que Alpha les a fait plus de mal que tout autre Guinéen. Parce qu'on a tous vu les 26 années de Sékou Touré. On a vu les 10 années d'Alpha Condé. Et il entame encore un autre mandat frauduleux de 6 ans. Qui sait s'il va aller à terme ou pas. Mais ce n'est que de la désolation, de la déception. Alors s'il y a des gens qui ont fait plus de mal à la Guinée, ce sont les gens qui ont eu la chance d'être à la tête de ce pays. Qui ont eu le mandat du peuple, mais qui n'ont pas pu être à la hauteur. On a vu, au temps de Konaté, ce qui s'est passé. Les gens qui ont mélangé, qui ont poussé le vieux à l'erreur, sont aujourd'hui avec Alpha Condé. On a compris, ces gens-là étaient dans l'administration, mais ils travaillaient pour Alpha. Voilà le mal de ce pays. Laissons ce sujet. Venons-en au niveau de cette affaire du passeport. Là, je ne vais pas prendre assez de temps. Je vais tout simplement vous dire, chers compatriotes guinéens, on n'a pas encore la chance d'avoir des personnes qu'il faut à la tête de notre pays. Pourquoi arnaquer des pauvres gens, des citoyens qui sont dans le besoin des papiers pour pouvoir voyager, pour pouvoir vivre en sécurité dans les pays d'origine où ils sont et dans les pays d'ailleurs, dans les pays d'accueil où ils sont, pour les faciliter les voyages. Mais voilà, on dit aux gens, les 7 pays de l'étranger où ils ont commencé à confectionner les passeports, on nous parle ici des passeports de 5 ans et de 10 ans. Il y a des gens qui pensent que les passeports de 10 ans n'existent pas. Ça existe parce que moi j'en ai un. Et c'est en 2019, décembre 2019, que je suis allé renouveler ici, au consulat de New York, si j'allais renouveler mon passeport, qui devrait expirer au mois de mai 2020. Mais j'ai anticipé, comme il y avait une mission qui était là, et à l'époque, on l'avait fait, je crois bien, à $150. Maintenant, ils ont doublé le prix, c'est à $300. Les passeports de 5 ans, c'est à $150. Du côté de l'Europe, aussi, ça se passe ainsi. Mais qu'est-ce qui se passe? Même du côté de la Guinée, au fait, vous venez au côté de la Guinée, du côté de la Guinée, je vais dire, quand vous venez à l'Ecobank, vous avez le choix. Si vous voulez les passeports
le passeport de 10 ans, vous payez le montant demandé. Si c'est le passeport de 5 ans, vous payez également le montant demandé. Mais au-delà de ça, ce qui se passe, ils commencent à arnaquer. Ils sont convaincus qu'actuellement, ils n'ont pas les passeports de 10 ans. La Malaisie qui nous fournit les matériels par rapport à la confection de ces passeports-là, disent qu'ils n'ont pas, c'est pas comment on appelle ça, les matières premières là en tout cas, pour la confection des passeports de 10 ans. Parce qu'ils ne gèrent pas que la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, je crois, il y a également le Sénégal, le Mali et d'autres pays. Voilà ce qui se passe. Ils le font ainsi. Ils prennent l'argent avec les citoyens pour les passeports de 10 ans, mais on les envoie les passeports de 5 ans. Quelle arnaque! Quelle arnaque, peuple de Guinée! Hein? Sinon, si vraiment ils étaient sérieux, s'ils savaient qu'ils n'ont plus de passeport pour les 10 années, qu'ils donnent des consignes, le ministère de la Sécurité, hein, qui donne un consigne à Ecobank pour les dire en Guinée, toute personne qui vient ici pour les passeports de 10 ans, dites-leur que les passeports de 10 ans ne sont pas encore disponibles. Donc ils peuvent s'inscrire pour les passeports de 5 ans et qui payent l'argent pour les passeports de 5 ans. Hein? Mais nous ne le font pas. Ils récupèrent l'argent des gens et quand l'affaire a été signalée, quel a été leur argument? Ils disent oui, on est conscient de la situation, on sait que les passeports de 10 ans n'existent pas maintenant là, mais nous sommes en train de travailler à pied ferme avec les Malaisiens pour trouver une solution. C'est en fait du Covid, il y a ceci, cela, il y a moins de voyages. C'est que des arguments non fondés. Que maintenant, nous les donnons les passeports de 5 ans. Une fois que les autres passeports de 10 ans vont venir, on va essayer d'écraser le passeport de 5 ans et les remettre les passeports de 10 ans. Regardez-moi des paroles de malhonnêteté. Des paroles de malhonnêteté. Comment vous pouvez le dire? Donner un passeport de 5 ans à quelqu'un, après un passeport de 10 ans, vous allez écraser le passeport de 5 ans. Quel gaspillage! Ce n'est pas de la manipulation, ça? Hein? Et tous les pays de l'étranger, les 7 pays où actuellement ils sont en train de confectionner les passeports, ils n'ont même pas pu trouver 1000 passeports pour les Guinéens. Tout récemment, on parlait de 700 passeports. Pour tous les étrangers confondus. 700 passeports. Imaginez la France, les États-Unis, le Maroc, hein? Je crois la Malaisie, je ne sais pas quel autre pays. En tout cas, il y a 7 pays actuellement où on enrôle les citoyens. C'est grave. C'est vraiment grave, ces gens-là. Maintenant, la situation qui suit celle-là, je vous ai parlé aussi encore des visas. Vraiment, nos compatriotes ont des sérieux problèmes, des difficultés ici. D'abord, je commence par les États-Unis. Je ne connais pas ce qui se passe en Europe. Mais je pense que ça peut être la même situation. Vous savez, bien avant, jusqu'au mois de mars passé, tout s'est passé bien. Parce que j'ai recommandé une femme qui est allée au consulat de New York, qui voudrait voyager en Guinée, qui a la nationalité américaine, qui n'a pas le passeport guinéen, mais qui est guinéen, né et grandi en Sierra Leone, qui est là, qui a le passeport américain, mais voudrait aller en Guinée. Elle voudrait d'ailleurs aller en Guinée. Elle m'a contacté, je lui ai expliqué. Elle ne vit même pas à New York. Elle est restée là où elle était. Je ne vais pas dire le nom de cet état. Elle a postulé, parce que j'ai appelé le consulat, on m'a dit que oui, qu'il y a le visa. On peut la donner le visa. Et qu'est-ce qui se passe? On l'a dit de mettre son visa, c'est-à-dire de poster le visa avec money order pour le prix de visa, je crois, c'est $150, si j'ai bonne mémoire. Et tout ce qu'ils ont demandé, elle a mis ça dans une enveloppe, elle a posté
c'est venu ici, ils ont mis le visa, et puis on a ramené à la femme par poste encore. Elle a reçu son passeport, elle a voyagé pour la Guinée. Mais c'est tout récemment, rappelez-vous, dans mon temps, Albert Camara, ministre de la Sécurité d'Alpha, a dit que les blogueurs qui sont à l'étranger, les hommes de la société civile qui sont à l'étranger, qui pensent qu'on ne peut pas les atteindre, on a tous les moyens pour les arrêter, pour les traquer. Mais il oublie une chose, que celui qui sera traqué un jour, et lui et toute sa bande, qui a tué des milliers de Guinéens, il ne va jamais s'échapper. Tôt ou tard, même si c'est la vieillard, il aura une justice responsable. Tous ceux qui ont commis des crimes dans ce pays-là, ils répondront un à un. Peut-être on peut pardonner le crime économique, parce que là, on peut rattraper. Mais le crime humain, on ne peut jamais ramener ces morts-là. Et ces morts-là doivent être honorés. Tout en identifiant ces malfaiteurs, les juger, les condamner. C'est normal et ça va venir. Pourquoi j'ai dit tout de suite, si hier vous pensez être fort, et aujourd'hui vous pensez être fort, hier, je sais que vous étiez faible, et demain encore, la même faiblesse va vous suivre. Donc, depuis qu'il a dit ça, ils ont arrêté des situations de visa. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? Quand tu viens pour un visa à l'ambassade, on te dit quoi? Il faut t'inscrire online, en ligne. Il faut faire ta demande en ligne. Et tu les envoies. Pourtant, avant, ça ne se passait pas comme ça. Mais la chose la plus grave, on te dit également, les informations que tu as fait rentrer sur le net là, le passeport, la photocopie de ton passeport, toutes les informations, si tu as un parent, une connaissance en Guinée, il faut prendre ces informations-là, tu envoies à la personne, elle va aller au niveau du ministère de la Sécurité. J'ai dit bien, ministère de la Sécurité, ce n'est même pas au niveau du ministère des Affaires étrangères. Hein. Parce que les passeports, je sais, c'est le ministère de la Sécurité qui gère. Mais les visas, c'est le ministère des Affaires étrangères qui doit gérer normalement. Et actuellement, il y a ce conflit entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Sécurité en Guinée. Parce que maintenant, ils veulent identifier toute personne qui veut voyager en Guinée. Mais on est dans quel monde là? Ils veulent connaître les renseignements de toute personne. Ils veulent faire contrôler le monde, quoi, au fait. Mais vous êtes fait pour contrôler le monde. Vous n'avez pas cette capacité, non seulement intellectuelle, vous n'avez pas ces moyens économiques pour contrôler le monde. Parce que c'est comme ça maintenant ça se passe. Mais quelle pagaille? Quelle haine? Pourquoi arrêter des gens dans le vide? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Donc, si vous le faites, c'est pourquoi maintenant vous le trouvez, vous voyez des gens qui peuvent demander ici. Ils peuvent demander l'obtention d'un visa. Au lieu qu'ils récupèrent ça dans deux jours ou une semaine, à la rigueur deux semaines, ils refusent. Parce que ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Parce que maintenant le circuit est allé jusqu'en Guinée. Je ne sais pas si c'est la même chose qui se passe en Europe. Et ce qui est plus grave, on te dit, si tu es pressé de récupérer, d'attendre ça, un visa, alors il faut prendre un laissez-passer. Mais vous savez, avec le laissez-passer, c'est quoi? Au fait, les gens ont peur parce que la Guinée n'est pas un pays crédible. Il n'y a pas de justice. C'est la violation des droits humains qui se passe là-bas. Donc, les Guinéens qui sont ici, qui ont le passeport américain, ils préfèrent voyager avec les passeports américains. Pour en cas, si toutefois quelque chose les arrivait là-bas, pour que l'ambassade des États-Unis en Guinée puisse s'en préoccuper. Parce que si tu voyages avec le passeport américain, en allant en Guinée, tu es protégé par les autorités américaines. Tout ce qui va t'arriver, c'est un Américain que cela est arrivé. Maintenant, si tu voyages avec ton passeport guinéen, là, tout ce qui va t'arriver là-bas, ils ne peuvent rien faire pour toi. Ou si tu voyages avec un laissez-passer, et là, ça c'est aussi, le laissez-passer là, quand tu vas aujourd'hui, on peut même te remettre aujourd'hui et demain tu voyages. Mais, ça c'est simplement l'aller. C'est-à-dire, on te donne, tu vas, tu sors, mais tu ne peux pas rentrer avec.
Et maintenant, si c'est le passeport américain que tu as, on te donne ici, laissez passer. Tu mets par exemple ton passeport dans ta valise, tu vas en Guinée. À ton retour, tu peux avoir tous les 1000 problèmes à l'aéroport. Parce qu'ils vont se poser la question, comment tu as pu rentrer en Guinée et pourtant, il n'y a pas de cassé, il n'y a rien dans ton passeport qui a notifié que tu as voyagé de tel pays à tel pays. Donc là aussi, on peut t'escroquer de l'argent ou te compliquer la situation ou même t'arrêter. Parce qu'ils sont capables de tout. C'est là aussi les conséquences de cette affaire, les conséquences négatives de cette affaire de laisser passer. Parce qu'aujourd'hui, ils sont capables d'arrêter n'importe qui, ces gens-là. Mais tout ça va finir. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Il essaie l'être humain qui donne les privilèges pour voir comment il va se comporter. Et après maintenant, il va le châtier pour lui montrer que c'est confié ça, tu n'as pas été à la hauteur. Et là maintenant, c'est mon tour aussi de châtier le moment venu. Voilà, chers compatriotes, ce qui se passe. Il faudrait que tout cela soit corrigé et que nous, les étrangers, on parle souvent de la Guinée, mais il y a des choses qui se passent chez nous qui sont aussi graves. Parce que je n'arrive pas encore à comprendre. Ici à New York, par exemple, on te délivre un laissez-passer. Hein? On te délivre un laissez-passer à $100. Mais par contre, de l'autre côté, on te délivre ça à $60. Je vais parler de Washington, parce que là-bas où se trouve l'ambassade de la Guinée. À New York, c'est le consulat qui est là. Mais c'est ici où il y a une forte communauté guinéenne, aux États-Unis. Mais ici, ils font payer les gens à $100. De l'autre côté, on fait payer à $60. Pourquoi cette différence de $40 dans le même pays? Pourquoi tout ça? Donc, chers compatriotes, c'est pour vous dire que nous sommes vraiment mal barrés. Nous avons des situations compliquées. Il faudrait que nous essayions de prendre notre destin en main. Parce que l'administration d'Alpha Condé, du haut, du sommet à la base, ils sont tous pareils. Ils ont détruit les valeurs de notre pays. Si tu es un bon Guinéen, ils n'ont pas besoin de toi. Si tu as une compétence et manipulable, ils peuvent te récupérer. Et on te dit de faire ça, tu fais, fais ça, tu fais. Mais s'ils savent que tu n'es pas manipulable, on te jette dans la poubelle. Mais comment notre pays peut avancer de la sorte? C'est triste. C'est vraiment triste, chers compatriotes. Et là, il faudrait que nous nous organisions à l'étranger pour corriger ça, pour lancer la lettre à l'ambassade ou aux ambassades dans les différents pays pour attirer leur attention qui ne s'est pas marché comme ça. Il faudrait qu'ils changent leur stratégie. Nous savons qu'ils exécutent les ordres venant de Conakry, mais qu'ils comprennent que nous sommes dans des pays de droit. Alors il faudrait qu'ils se comportent bien ici, respecter les compatriotes qui sont là. C'est quand ils nous respectent qu'on pourra les respecter. Mais s'ils ne nous respectent pas, on ne peut pas aussi non plus les respecter. Il faudrait qu'il y ait la réciprocité par rapport à cette situation-là. Voilà, on n'est contre personne, mais nous voulons que tout se passe bien, dans la normalité. C'est ce que nous souhaitons pour notre beau pays, la Guinée. Tout ce qu'on fait là, on n'est contre personne. Nous voulons que ça puisse marcher. Parce que nous aimons tant ce pays-là. Nous l'aimons. C'est ça aussi la vérité. Donc, pour terminer cette vidéo, je voudrais vous parler de deux infos. Parce que vous avez suivi tout récemment le calendrier des examens en Guinée était prévu pour le mois d'août. Mais voilà, Alpha, comme actuellement, c'est l'unique homme en Guinée, toutes les institutions sont pourries, qui sont là simplement pour la forme.
a jugé nécessaire de ramener les examens nationaux au mois d'août, au mois de juillet. Ce mois de juillet-là, fin juillet. Imaginez, chers compatriotes, d'habitude, moi, depuis que j'étais enfant, à l'école primaire jusqu'à terminer mes études, les examens ont toujours commencé par les enfants du primaire, la sixième année, l'examen d'entrée en septième année. Cette année, ils renversent la tendance, la donne d'ailleurs. Cette fois-ci, ils veulent commencer par les plus grands. Avec combien de mois d'études? Parce que c'est au mois de décembre que la Guinée a commencé les cours. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Disons seulement 6 mois d'études. Parce que le mois de juin, vous voyez, c'est les examens blancs et tout ce qui s'ensuit. Le mois de juin passé. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé Alpha à précipiter cette situation-là? C'est par rapport à l'augmentation du prix du carburant. Les Guinéens, préparez-vous. Comme vous êtes un peu soumis, tout est bon en Guinée. Tout ce qu'on vous impose, vous dire que Allah les kake, quoi la wadi, Allah Guimara. Attendez. Bientôt, fin de ce mois-là, Alpha, il fait augmenter le prix du carburant. À moins que la pression aussi puisse continuer. Mais une fois aussi qu'ils vont augmenter le prix du carburant, bonjour aux dégâts en Guinée. Parce que le transport sera augmenté. Même les propriétaires de logements vont encore dire, ah, ils ont augmenté le prix du carburant, non, si on augmente. Tout va monter en Guinée. Et tant pis pour les pauvres. Voilà les raisons qui nous ont toujours poussé à dire aux Guinéens, lèvons-nous, arrêtons de nous regarder en ethnie, arrêtons de nous regarder en région, arrêtons de nous regarder pour des intérêts personnels. Encore une fois, on n'est contre personne, nous voulons que ce pays-là puisse marcher, chers compatriotes. Donc, préparons-nous, préparez-vous aux dégâts de ce régime-là. Troisième mandat-là, tout le monde va payer le prix. Mais il est temps encore pour nous de se reconstituer, essayer de mener ce combat autrement, afin que ces gens-là puissent dégager. Parce qu'ils ne sont ni dans la légalité, ni dans la légitimité. Actuellement, le pouvoir est en train de se promener dans la rue, comme l'avait si bien dit Dadis. Voilà. Mais, Allah les Kanyi, allons seulement, tout ira bien. La deuxième des choses, c'est par rapport encore aux taxes téléphoniques. Le pouvoir Condé vient encore de doubler les taxes sur la téléphonie guinéenne. Je vous lance cette alerte-là. Si vous entendez demain que le prix de la téléphonie a monté, ne soyez pas surpris. Si Orange, ou Areba, ou Cellcom vous disent que maintenant, la facture par seconde, ce n'est plus 1 franc, c'est 5 francs, ne soyez pas surpris. Ce n'est pas eux, c'est Alpha et c'est son pouvoir. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils ont ingénié le peuple. Ils ont fait des détournements. Ils ont fait le sale boulot qu'ils ont eu à faire en 2020. Avec le budget national de développement, ils n'ont utilisé que 5% de ce budget national. Tout le reste dans leur poche et dans leur campagne politique pour accepter les consciences, accepter la conscience des hommes habillés en tenue, former des jeunes milices pour les incorporer au sein de la police. Aujourd'hui, ils sont en habit. Sont habillés en tenue et au-delà, on a tous aussi vu ce qu'ils sont en train de planifier actuellement, former des jeunes du côté de la Haute-Guinée sous prétexte que on doit se battre après Alpha pour que le pouvoir puisse rester. On est informé de tout, mais planifier pour vous, c'est dire que c'est ce qui va se faire. Seulement, il ne faudrait pas approfondir le trou que vous êtes en train de creuser là. Parce que vous ne savez pas si c'est vous qui allez vous retrouver dans ce trou. Alors seulement, Allah les Kanyi. Alors, voici ce que j'avais vraiment à vous dire aujourd'hui, chers compatriotes. Je vous ai parlé d'un sujet, d'un monsieur, avec des propos très graves. Très graves, je vous dis bien. Mais j'ai reçu un message ici tout de suite. Une personne que je respecte beaucoup.
qui m'a plaidé de ne pas en parler. Alors je sursois à cela. Je n'ai pas arrêté, mais je sursois. Parce que c'est très grave. Alors, chers compatriotes, j'espère que je n'ai pas pris assez votre temps. Je vais essayer de m'arrêter là.